on commence ça ce matin avec Marie-Hélène Poitras, qui est une autrice prolifique. Comme on peut le voir ici, là, on a exposé les livres. Il y en a plusieurs. Il y en a deux qu'elle nous présente au Salon du livre plus récent là, cette année. Bon matin, Marie-Hélène. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Comment se passe ton salon jusqu'à maintenant? C'est vraiment un beau salon. Puis je dis pas ça pour être têteuse, mais les auteurs, c'est un de nos chouchous. On trouve que les lecteurs sont très curieux, très intéressés pour vrai. Puis les livres se retrouvent dans leurs mains. Nos livres circulent. Le contact est super facile. Et moi, c'est la première fois que je fais ça, mais je suis arrivée beaucoup plus tôt. Je suis arrivée lundi et j'ai visité plein d'écoles de cette île, dont l'école de cette petite fille ici qui est là. C'est-tu Emma Rose, ton nom? Oui, Emma Rose. Donc, je suis allée quand même dans 8 écoles mardi, mercredi. Donc, mon salon est commencé, moi, depuis longtemps. Et j'ai adoré faire ça. C'est nouveau pour moi. J'ai sorti un petit album jeunesse qu'on voit là, l'épopée de Timothée pour les 4-7 ans. Et moi, ça fait 20 ans que j'écris des livres un peu weird, assez dark pour les adultes. Donc là, c'est comme une nouvelle aventure pour moi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, parlant de weird et dark, on parlera de la Desiderata tantôt, mais on va commencer effectivement avec l'épopée de Timothée. Tu l'as dit, c'est du nouveau pour toi, la littérature jeunesse. C'est arrivé comment dans ton parcours? Bien, comme bien des auteurs adultes, je rêvais secrètement d'écrire un livre pour les petits. Peut-être pour la petite fille que j'ai été. C'est quelque chose qui me tentait beaucoup, mais on dirait que c'était pas quelque chose de naturel pour moi. Puis au début, j'avais fait une première version, mais c'était pas tout à fait ça. Là, je laissais ça dormir dans mes tiroirs. Je pensais même pas y revenir. Et puis, petite anecdote, au Salon de Sept-Îles, il y a 5 ans, lors du souper là, de Homard là, à la terrasse du Capitaine, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon, il y a une éditrice de Fonfon qui m'a dit, mais Marie-Hélène, ça te tenterait pas d'écrire pour les tout-petits? Puis je dis, oui, ça me tente tellement, mais on dirait que je sais pas comment m'y prendre. Je me sens comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et puis, là, je lui ai montré ce que j'avais fait. Et on est parti de là. On a avancé beaucoup. On a travaillé le texte. Puis, à un moment donné, il a fallu aussi trouver les illustrateurs parce que ça, c'est important. Puis, tu sais, il y a un moment où tu vois ton texte qui tient sur 3 pages et demie, mais il manque un morceau. C'est ça, parce que le parcours est complètement différent que de l'écriture d'un roman. C'est pas du tout pareil. Oui, c'est ça. Puis, il y a plein de parcours. Comme là, j'en fais un autre livre jeunesse, mais j'ai déjà mon illustrateur. Puis, l'idéation du livre, on l'a fait ensemble. Donc, tu sais, éventuellement, lui, il va dessiner, mais ça va être plus... ce sera pas une étape puis après l'autre. Ça va être plus combiné. OK. L'épopée de Timothée. C'est le titre de ton livre, chez Fonfon. Timothée, des fois, il se sent un petit peu tout seul. Hein? Comment tu as été inspirée pour ce livre-là? Bien, en fait, ce que j'ai écrit... Premièrement, je me suis inspirée d'un fait divers dans le journal. Une histoire quand même assez perturbante. C'était l'histoire... c'est à peu près il y a 10 ans. Il y a une famille qui voulait faire une télé-réalité aux États-Unis. Et pour attirer l'attention sur eux, le papa avait construit une montgolfière artisanale. Et ils ont fait à croire que le petit garçon était dans la montgolfière, puis que par accident, le ballon s'était détaché, puis que le petit gars était dans le ciel. Et tout ça était filmé. On pouvait suivre ça sur YouTube, puis on entendait les gens hurler de terreur. Je me rappelle de ça. Oui, c'est vrai, ça avait été vraiment marquant. C'était fou, puis ce petit gars-là, je me souviens de son nom, c'était Falcom Ean. Et là, finalement, il n'était pas dans la montgolfière, il était dans le grenier, donc il était correct là, quand même, tu sais. Mais moi, je me suis dit, mais s'il avait été dans la montgolfière, pour vrai, bon... Si on est dans la réalité, c'est un petit peu énervant, puis on veut pas tant savoir, c'est trop terrorisant, mais avec un voyage imaginaire d'un petit personnage qui s'imaginerait aller dans plein d'univers, là, ça devient le fun. Et puis, moi, mon petit personnage, c'est un petit personnage un peu solitaire, pas très populaire à l'école, puis il rêve d'être un super-héros, donc de se fabriquer comme ça. Une montgolfière, mais dans le fond, à la fin, ce qu'on découvre, c'est qu'il est dans un panier de linge sale avec un petit ballon gonflé à l'hélium. Mais lui, il devient comme le super-héros de son histoire, puis il va voir la planète des dinosaures, il rencontre des extraterrestres qui font du yoga, il se promène au-dessus du désert. À un moment donné, il va toucher la Lune, donc il fait cette grande épopée-là. Il s'ennuie de ses parents, des gens qu'il aime, il leur ramène toutes sortes de petits souvenirs, un petit bout de nuage, une petite
pépite de soleil, une dent de dinosaure pour ses frères. Et puis quand il revient, bien, c'est un peu comme le marin qui a fait le tour du monde. Les gens se sont ennuyés de lui. Lui, il a des cadeaux, a des histoires à leur raconter. Puis c'est aussi le lien avec la Desiderata. Il y en a un quand même parce que les deux livres, ce sont des éloges de l'imaginaire. C'est vraiment, quand on écrit pour les tout-petits, c'est sûr qu'on a une responsabilité plus grande et on doit être conscient de... Oui, je veux leur raconter une belle histoire, mais quelles sont les valeurs? C'est quoi le message que je viens livrer? Puis moi, c'est de dire que les mots, c'est des clés qui t'ouvrent la porte de plein d'imaginaires fantastiques, que tu peux inventer des mondes et que tu peux t'amuser à lire, mais parfois aussi à écrire et à créer. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la différence, parce que tu as toujours écrit pour les adultes. Là, c'est nouveau que tu écrives pour les enfants. Tu l'as dit, tu as fait la tournée dans les écoles, tout ça. C'est quoi la différence entre les lecteurs adultes et les lecteurs enfants, là, finalement, dans la réception là, ou quand tu les rencontres? Là, c'est quoi? Ça doit faire quand même bizarre. T'sais. Bien, là, les maternelles, c'était nouveau parce que j'avais eu une série pour ados. La série Rock'n'Rose, là, il y a comme une dizaine d'années à la courte échelle. Mais là, des petits de 4 à 7 ans, ça, c'est vraiment, vraiment nouveau. Puis ce qui est vraiment fantastique, c'est que, ben quand ils aiment ça, tu sais, tu le vois dans leur visage, tu le vois vraiment si tu es capable d'aller les chercher. Quand j'étais dans une classe, à un moment donné, ils venaient tous me dire « Ah, t'es gentil! » Ils faisaient presque la file pour me faire des compliments, tu sais. Puis c'était comme « Mon Dieu, je vais le prendre, tu sais, c'est pourquoi pas si c'est tellement charmant. » Puis j'essaie d'aller les chercher tous, là, tu sais, puis c'est sûr que la littérature, ça ne deviendra pas la passion de tous les 20 petits élèves qu'il y a devant moi, mais des fois, on sent que, ah, on vient d'allumer quelque chose pour quelques élèves, puis, tu sais, je fais aussi des résidences plus longues. J'ai fait une résidence avec des 5e, 6e années pendant 10 semaines. Je les ai amenés à écrire un petit synopsis d'histoire, une petite scène et tout ça, puis il y a des élèves là-dedans qu'ils se doutaient pas du tout qu'ils allaient aimer ça comme ça, puis qu'ils se sont fait prendre au jeu. Fait que ça, c'est vraiment beau de voir ça. T'sais, on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup. Il n'y a pas de filtre. Ils ne se sentent pas obligés de réagir de telle façon ou de dire telle chose pour bien faire les choses. C'est vraiment... C'est très honnête et franc et généreux. Ouais. On dit beaucoup, on dit souvent « Ah, oh, les jeunes lisent plus. » Il y a comme tous ces grands clichés, mais je ne sais pas si c'est toi qui disais ça, mais j'entendais à la radio cette semaine, si on veut que nos jeunes lisent, il faut que nous-mêmes, on lise en tant qu'adultes, en tant que parents. Il faut qu'ils nous voient, justement, avec des livres dans les mains. Pourquoi pas y aller avec un de tes livres adultes, un de tes livres jeunesse? C'est complémentaire, au fond. Est-ce que tu aurais, justement, un conseil, à part peut-être celui-là, là, pour accrocher la jeunesse à la lecture? Je trouve ça tellement important. Moi, c'est tellement un grand pas de ma vie, puis ça a commencé tout petite. Il y a sûrement des trucs, là, pour les parents qui sont ici. Bien, je dirais que, en fait, c'est que faut trouver les bons livres aussi pour éveiller leur curiosité. Tu sais, quand j'étais dans les classes de 5e, 6e année, je voyais beaucoup, beaucoup de jeunes, puis des petits gars aussi, hein, parce qu'on pense que les garçons aiment encore moins ça que les filles, mais ils lisaient vraiment Gamer de Pierre-Yves Villeneuve, qui a son stand juste là. Et puis, tu sais, c'est dans le monde des jeux vidéo, puis tout ça, puis c'est pour cette tranche d'âge-là, et ça semblait vraiment leur plaire. Il faut aller chercher faut commencer par des œuvres qui vont... c'est sûr que ça va être gagnant pour eux. Puis après ça, peut-être qu'il y aura une curiosité qui va se développer au fil du temps, que le réflexe d'aller vers des œuvres c'est moins peut-être ce qui les attire. Peut-être que ça va se faire parce que l'autre chose que j'ai entendue, c'est une prof qui disait ça l'autre jour, puis j'ai trouvé ça tellement beau, c'est que, tu sais, bon, moi, c'est l'âge où ils apprennent à lire. Donc, en première année, on apprend à lire et tout le reste de notre vie, on lit pour apprendre. Donc, tu sais, qu'après ça, s'ils se développent des passions pour, les oiseaux, la nature, les dinosaures, les autos, ben pour se documenter, ça va passer encore là par des livres. Donc, moi, je pense qu'on peut aimer toutes sortes de littérature. Tu sais, moi, je lis pas que des œuvres très littéraires et denses. Tu sais, j'adore les polars. J'en lis énormément. Sur 5 livres que je lis, mettons, il y a à peu près au moins 2 ou 3 polars depuis 30 ans. C'est comme ça. Donc, tu sais, puis ça peut m'arriver de lire un recueil de poésie. Ça, j'en lis un petit peu moins, mais j'aime beaucoup la prose poétique. Il y a certains types de récits que j'aime lire le matin pour me challenger, d'autres que les essais, tout ça, tu sais, c'est pas avant de me coucher. Donc, pour moi, c'est associé à différents moments de la journée,
à une ambiance, à une atmosphère, une énergie. Et ouais, c'est comme ça. Puis des fois, les livres, ils tombent dans nos mains au mauvais moment, mais il y a un autre moment dans quelques années où ça sera le bon. Exact, c'est ça, de ne pas avoir peur de mettre de côté. Des fois, je trouve qu'en tant que lecteur, on juge un peu, de dire « Ah, je peux pas, je peux pas lire ça, c'est trop léger. » On n'est pas obligé de lire « 100 ans de solitude » tout le temps, là. Non, puis on n'est pas obligé de les lire au complice, ça nous tente pas. Exactement, voilà. Et passons à ce plus récent roman qui est publié chez Alto, qui s'appelle « La Desiderata ». Ça t'a pris quand même pas mal de temps pour l'écrire. Là, oui. Je lisais ça, oui. J'écoutais des entrevues que tu as données aussi. Ça s'est étalé sur plusieurs années. Ça a été quoi, le processus? Là, comment t'as... J'ai juste accouché. Ben, c'est un peu ça, hein? On accouche de ces œuvres-là. Comment ça s'est passé? Bien, en fait, c'était long parce que l'enjeu pour les auteurs, c'est souvent, on a souvent un travail à côté. Et puis, moi, j'essaie toujours de faire le puzzle pour me garder du temps d'écriture et tout ça. Mais le travail idéal que je cherche, là, 3 jours semaine, que tu ne ramènes pas de la job après 5 heures chez toi, on dirait qu'il existe comme pas. Donc, tu sais, je me ramassais toujours avec des emplois un petit peu plus accaparants que j'aurais pensé. Puis pour écrire, ça demande du temps, mais ça demande aussi de l'espace mental. Tu sais, quand ton esprit est déjà occupé par mille et une choses à faire. Moi, j'étais recherchiste musicale, donc tu sais, c'est beaucoup d'écoute. Quand t'es pas au bureau, t'es en train d'écouter des albums, du booking d'artistes, tout ça, préparer les questions, les plans d'entrevue. Fait que ça lâche jamais. Tu sais, t'as toujours ton cerveau, il est là-dessus. Donc c'était plutôt rare que j'avais une période d'écriture, mais quand j'en avais une, c'était vraiment comme une fête, des retrouvailles avec l'écriture. C'est pour ça que je pense que ce livre-là est comme aussi dense. Puis un des sujets du livre, c'est vraiment aussi une ode à la création. Mais j'ai pu terminer mon livre, je dirais le dernier tiers, pendant la pandémie. Et puis là, j'étais très contente de m'être créée cette forêt-là, cette luxuriance, les banquets de bouffe gargantuesque. Tous les sens sont conviés dans ce livre-là. Il y a une maison de parfum. La musique est bien présente aussi. Donc moi, j'avais ce petit espace-là où est-ce que toutes les fantaisies et les excentricités étaient possibles. Donc je pouvais aller vraiment me réfugier là, puis ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir écrire comme ça, puis retrouver l'écriture aussi pendant que tout le monde déprimait. Moi, c'était comme une fête de retrouvailles avec l'écriture. Ça s'est quand même pas si pire passé pour les auteurs là, qui sont habitués d'être dans leur bulle d'écriture. Je pense qu'on était peut-être mieux armés pour affronter ça. Oui, c'est ça. Et j'imagine aussi qu'il fallait un peu que tu te retrouves dans ta bulle parce qu'un univers comme celui-là, je veux dire, ça devait prendre la place dans ta tête, là, c'est sûr, là, parce que, bon, tu l'as dit, on est dans un imaginaire. Ça se rapproche un peu du conte, ce roman-là? Oui, de la fable ou du conte, oui, on peut dire ça, parce que c'est un temps indéterminé. L'espace aussi, c'est volontairement flou. À un moment donné, on a des chansons, on se dit « Ah, ça doit être la vieille France », mais pouf, il y a une chanson de Marjo qui apparaît. Oui, donc, ça, j'ai vraiment aimé ça d'ailleurs, parce que je la chantais dans ma tête. J'aimais ça quand j'étais rendue au bout de Marjo, mais il y a aussi des chansons qui font plus partie du folklore. Oui. Tu as décidé d'inclure ça. C'était pourquoi, en fait, ces chansons-là se retrouvent là? Bien, c'est drôle, mais ça s'est presque imposé. En fait, comme j'étais dans l'univers du conte, comme tu l'as dit, il y avait quelque chose d'un peu merveilleux, une sorte de candeur, mais qui, en tout cas, ça annonce pas comment ça va tourner parce qu'après, il y a comme beaucoup d'intensité, mais au début, c'est presque guilleret. Et puis, on dirait que j'avais souvent le réflexe de puncher avec ce genre de chansons comme « Il y a longtemps que je t'aime », tu sais, des petites tunes « Passera », la dernière, des petites chansons qu'on connaît tous, avec le loup dans la forêt, nanana. Puis, ce que j'ai découvert, parce que je suis tombée par hasard, je travaillais à Ici Musique sur un livre qui, avec toutes ces chansons-là qu'on croit connaître, mais souvent, on connaît juste les deux premiers couplets, puis le refrain. C'est vrai. Mais il y en a souvent, on connaît à peu près 15 % de la chanson. Et c'est des chansons qui ont été écrites pour mettre en garde hein, les jeunes filles ou mettre en garde les enfants. Tu sais, le loup, souvent, il y a une métaphore. Quand il est question d'enlever le laurier d'au-dessus de la porte, c'est parce que ça indiquait que c'était un bordel. Tu sais, quand on creuse un peu, là, on se rend compte que, OK, les doubles sens sont lourds puis sont pour adultes. Puis il y a quelque chose de l'ordre de...
ça a l'air candide et sympathique, mais finalement, c'est les pires perversités qui sont cachées en dessous de ça. Puis ça, c'était présent dans l'esprit du roman. Donc, je trouvais que ça faisait un beau contrepoint à ce que j'essayais d'installer. Puis, c'est comme une œuvre dans laquelle, tu sais, à un moment donné, le roman se transforme en pièce de théâtre. Des fois, on est comme dans un tableau. Donc, tous les arts sont comme un peu conviés et visités. Puis, moi, je suis quelqu'un qui aime la musique. Donc, il y a toujours un petit côté musical dans tous mes livres. Des fois, c'est sous la forme d'une dédicace empruntée à Nirvana ou bon. Mais là, dans celui-là, c'est directement intégré dans la trame. Puis, c'est devenu comme une sorte de jeu, de chercher avec mes antennes, OK, avec quoi je pourrais puncher. Et c'était une façon de m'amuser encore avec les mots, de me faire plaisir, d'essayer quelque chose que j'avais pas souvent vu. C'est un roman, bon, on ne sait pas trop à quelle époque ça se passe, on ne sait pas trop où c'est, mais c'est quand même très ancré dans le moment présent, dans ce qu'on vit, parce que, bon, ça commence avec une maison très masculine, hein, présence masculine très forte, et il y a une femme qui vient un peu changer la donne à sa façon. Est-ce que tu avais envie de faire passer un message dans ce roman-là? Ce personnage féminin-là était venu comment? Bien, au début, en fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai toujours ce que j'appelle un plan mou. C'est-à-dire que faut que j'aie un petit peu une idée de où je m'en vais, mais souvent, c'est juste pour le fun de la contourner. Parce que dans l'écriture, dans la création, je me permets pas mal tout. Des fois, je me retrouve dans une situation où je ne sais plus trop comment me dépêtrer de ça, mais ça fait partie de mon jeu avec l'écriture aussi. Et puis, là-dedans, au début, je pensais que j'allais écrire sur le désir féminin, qui est encore pas assez présent, je trouve, dans la littérature puis tout ça. C'est comme encore tabou. Mais c'est sûr que, tu sais, comme on a dit, on ne sait pas trop on est où ni quand, mais l'air du temps de ce roman-là, c'est l'air du temps actuel. C'est comme si c'est cette air-là qui flottait dans l'air du village de Noirax. Donc, avec nos antennes, si on n'est pas dans une tour d'ivoire, moi, j'ai capté ça, puis j'ai insufflé ça à l'histoire. Donc, toutes les dénonciations, puis là, dans le fond, il y a un lien aussi à faire avec mon premier roman, Soudain le Minotaure. Moi, je suis arrivée à la littérature avec un livre qui abordait vraiment de manière frontale la violence aux femmes. Donc, je trouve que ces deux œuvres-là, à 20 ans de distance, sont un peu sœurs. Puis, je trouve que les Desiderata, parce que ce qui est satisfaisant dans la Desiderata, c'est qu'il y a comme il y a un gros revirement à la fin. Et les femmes se font justice et renversent l'ordre patriarcal. Il y a quelque chose de vraiment, tu sais, très rock'n'roll. On va jusqu'au bout. Et c'est un nouvel ordre qui va commencer. Donc, c'est pas tant une revanche qu'une manière de se faire justice. Puis de cet ordre-là qu'on voit peu dans la réalité, là, ben, il peut exister dans la littérature. C'est un peu comme si j'avais vengé aussi, d'une certaine façon, mon personnage d'Ariane, du Minotaure. Les Desiderata se sont occupés d'elle aussi, je trouve, dans ce geste-là de révolte. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle aussi du personnage de Gentil qui devient gentil. Je t'entendais dire quelque chose de vraiment intéressant parce que des fois, quand on aborde des sujets comme bon, la transsexualité, puis que nous-mêmes, on l'a pas vécu, tu sais, on veut pas choquer, on veut pas... et tu parlais du lecteur sensible. J'aimerais ça que tu nous parles de ça. C'est quoi un lecteur sensible? Comment ça fonctionne? Bien, premièrement, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est les auteurs qui... auront ou pas besoin d'avoir recours à une lecture sensible. Parce qu'il y a plein de gens qui crient à la censure là, quand on parle de ça, mais moi, je le vois pas du tout comme ça. Parce que moi, je savais pas que ça existait. Et je trouvais que dans ce personnage-là, malgré l'étape de la recherche, puis malgré que j'ai une amie aussi qui est devenue une femme trans, je trouvais que j'avais un petit angle mort. J'avais l'impression que dans ce roman-là aussi... généreux aussi, tu sais, qu'il n'y a pas de tabou. Intense, là. Oui, c'est ça. Oui, oui. Là, je trouvais que ce personnage-là, il me semble que j'avais tourné un petit peu plus les coins ronds, puis je voulais pas non plus... en fait, quand j'ai écrit mon livre, il n'y avait pas eu encore la fille d'elle-même, puis Valide, de Chris Bergeron. Donc, on n'avait pas découvert ces voix-là dans leur propre récit. Puis là, je me disais, mais
est-ce que je pourrais déranger la communauté qui a le droit de raconter ses propres histoires? Et puis c'est une amie éditrice, en fait, Geneviève Thibault du Chifaldou, qui m'a dit, mais est-ce que tu connais la lecture sensible? C'est des gens qui ont une expertise particulière sur un sujet, puis qui, c'est parce que nous, quand on travaille aussi avec un éditeur, on a le dernier mot, mais on a quand même un échange avec quelqu'un qui nous challenge un peu sur ce qu'on a construit. Et puis, donc, c'est un peu ça le principe de la lecture sensible, mais avec quelqu'un qui s'attarde à une dimension précise du livre. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que ça ne m'a pas du tout censurée. En fait, c'est que j'ai compris exactement il était où mon terrain de jeu, puis même qu'est-ce que je pouvais pousser encore plus pour rendre le roman encore plus fort. Et puis, c'est mon amie l'écrivaine Chris Bergeron qui a agi comme lectrice sensible, puis elle m'a donné vraiment des super belles idées très porteuses, donc ça a beaucoup enrichi le roman. Et si quelqu'un est tenté ou si quelqu'un est pas sûr de certains éléments, moi, je leur conseille de le faire, puis c'est vraiment comme un outil de plus dans le coffre à outils. Peut-être que pour ces questions-là, à un moment donné, on n'aura plus besoin de lecture sensible. C'est ça qu'on souhaite, là. C'est comme un outil transitoire. Mais en attendant, il y a ça qui existe, puis ça peut être très pratique. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse. Toi, c'est le voyage qui a formé un peu ton roman. Ça part de là, hein? Tu l'as vu, tu t'es inspiré beaucoup quand t'étais en voyage. J'aimerais ça que tu nous parles de ça, justement, parce que moi, ça me fascine, là, tu sais, que tu as vu Noirax, Grand Maison, toutes ces places-là que tu les as imaginées quand tu étais à l'étranger. Oui, ben c'était pendant un voyage en France en 2014 pour le prix France-Québec. Quand on gagne ce prix-là, c'est des lecteurs. En fait, c'est un prix du public. Donc, il y a plein de petites associations France-Québec. Je pense qu'il y en a 60 à travers le pays. Et quand on gagne le prix, on passe un mois à se promener un peu partout. Les gens nous reçoivent vraiment. Là, c'est comme le tour de Gaulle d'Astérix. Partout où on passe, on reste juste deux jours. Les gens, ils nous servent leur meilleur vin, les spécialités locales. C'est comme un banquet. Là. C'est fou. Là. J'ai bu du Cahors à Cahors. C'est sûr que c'était le meilleur Cahors. Là. Rien pourra accoter ça. Vraiment, c'est comme très gourmand. Et puis, il y a toute une découverte d'accent parce qu'on sort de Paris enfin. Moi, je restais plus autour de Paris quand les fois où j'étais allée en France. Donc là, j'ai découvert, par exemple, Astafort, dans le sud, un petit peu vers l'ouest, un petit village. Je suis comme tombée en amour avec cette place-là. Puis je me suis retrouvée aussi, à un moment donné, j'ai découvert qu'il y a des petites forêts françaises. T'sais. Ils parlent toujours de nos grands espaces, mais ils ont vraiment des petites forêts très charmantes. Et dans une petite forêt, je suis entrée dans une auberge, j'ai séjourné là. Et cette auberge-là, j'ai fait comme, OK, ça, c'est un décor. Là, quand j'ai vu l'homme qui tenait l'auberge, j'ai comme, lui, c'est sûr que c'est un personnage. Tu sais, je l'ai ramené. Bon, moi, quand j'ai écrit l'histoire, c'est lui que j'imaginais dans cette auberge-là, mais tu sais, c'est pas leur vraie histoire, là. C'est juste que, tu sais, mettons, je te donne un exemple. Ici, vous avez une animatrice à Radio-Canada qui s'appelle Bis Petit Pas. OK, puis bon, je l'ai rencontrée, je lui ai dit, là, je trouve qu'elle a un nom vraiment de personnage, puis moi, on dirait que ça m'inspire une histoire pour enfant, son nom, puis je sais pas, il pourrait lui arriver toutes sortes d'affaires, je trouve ça vraiment cute. Oui, c'est ça, l'inspiration vient d'un peu partout, des fois ça frappe. Là, t'es allée dans l'univers, du conte, de... Je trouve qu'il est difficile à décrire, le livre, parce qu'on dirait qu'il faut... On le ressent. Tu sais, quand on le lit, on le ressent. On plonge vraiment dans cet univers-là. T'es allé aussi dans des univers un petit peu plus réalistes, dans tes précédents romans. Toi, l'inspiration, bon, là, elle vient d'un voyage, mais normalement, elle vient d'où? Hey, c'est bien différent, puis... Aussi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la Desiderata, moi, ça fait un petit bout que je cherche comment le présenter au lecteur. Et puis, tu sais, dans les sites genre Babelio, là, les gens qui font des critiques, il y a une fille, je trouve, qui l'a vraiment bien résumé. Elle a dit « C'est une fable écoféministe, à moitié chantée, à moitié dansée. » C'est vrai que c'est pas mal ça. Pas pire, hein? Oui, c'est très bon. Oui, je lui emprunte, là, je lui donne le crédit, mais j'étais comme, OK, c'est un peu ça, tu sais. Puis, quand je le présente, je parle aussi de toute la luxuriance, la gourmandise, les cinq sens, tout ça, là, parce que c'est nouveau pour moi de le présenter dans les salons. Puis, j'ai fait le salon de Trois-Rivières il y a un mois et demi, puis je savais pas comment le présenter aux gens. Mais, donc, ta question, c'était les univers réalistes. En fait, l'inspiration, ça vient de où? Ouais. Je peux jamais le prévoir, puis je te dirais que d'un livre à l'autre, j'ai jamais trop envie de faire la même chose. Comme là, en ce moment, puis souvent, je travaille sur plusieurs livres en même temps, vraiment comme quelqu'un qui cuisine puis qui ouvre plusieurs ronds.
Bon, tu pars l'eau pour le riz, ça t'empêche pas de préparer aussi le poêlon pour la viande et les légumes. C'est vraiment comme ça que je travaille. Là, j'ai un recueil de nouvelles très avancé, mais il est beaucoup plus réaliste. Souvent, tu sais, quand je suis allée dans un extrême, ensuite, je sens le besoin de revenir à l'autre extrême. Ouais, je pense que des fois, c'est comme ça, en réaction à ce que j'ai écrit. J'ai aussi démarré un nouvel album jeunesse où je m'intéresse à la douance. Au haut potentiel, tout ça, mais j'essaie de l'écrire en fiction pour des petits. Donc, ça, c'est un gros challenge. Puis j'ai comme un petit rêve de roman graphique aussi là, que je commence à mijoter. Puis, petite parenthèse, là, mais j'ai été bénévole l'été dernier au Parc Maisonneuve comme bergère. Il y a un petit troupeau de moutons. Ah. Oui, il y a un troupeau d'une vingtaine de moutons. Puis on est des bergers bénévoles. Moi, j'habite tout près. Et puis, c'est sûr que cette expérience-là, parce que les moutons, ils n'essayent pas de se sauver dans la rue, là, c'est très grégaire, ils restent toujours ensemble. Mais au début, c'est comme, c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas de collier, sont là, puis ils partent se promener quand ça leur tente, ils reviennent ruminer. Puis on est tellement habitués aux chats d'intérieur, les chiens en laisse, ces choses-là. Puis même les chèvres, on ne peut pas faire ça parce que les chèvres, c'est un peu plus comme un petit chien fou. Là. Il y en a eu, mais ils mangeaient les plantes du jardin botanique, puis il y en a une qui s'était sauvée. Donc là, c'est juste les moutons. Puis c'est ça, on est juste trois bergers, tout le temps trois bergers, puis on les suit. On fait juste les accompagner, puis à la fin, ils rentrent dans leur bergerie. Là, ils ont comme... c'est construit là, dans le parc pour eux, sur pilotis. Et là, ça, c'est sûr que ça va m'inspirer. T'sais. Puis moi, j'ai fait ça, je savais pas que j'allais en tirer un livre, un peu comme mes histoires de cocher. T'sais, quand je fais ça, c'est pas nécessairement dans l'intention de... Mais quand je découvre un univers, un nouveau vocabulaire qui vient avec toutes sortes de personnages, de tempéraments, en général, ça m'amène vers un livre. J'imagine que tu es une grande lectrice aussi. Normalement, quand on aime écrire, ça vient un peu avec. Est-ce que tu as des récents coups de cœur? Moi, j'aime tout le temps ça. Je suis tout le temps à la recherche de nouvelles lectures. Qu'est-ce que tu lis là, ces temps-ci? J'ai bien aimé le livre « Au pays du désespoir tranquille » de Marie-Pierre Duval sur une fille, ça c'est chez, mon Dieu, c'est-tu Stanké? Oui, c'est Stanké. Une fille qui travaille dans le milieu de la télé. Donc, ça, en partant, ça m'intéressait parce que moi aussi, j'y ai travaillé. Et puis, tu sais, la télé, c'est très hiérarchique. Hein? Puis c'est comme bien fascinant de l'extérieur, mais quand on perce cette bulle-là, c'est tout le temps... Bien, pas tout le temps, mais c'est souvent une sorte de désenchantement à cause de cette espèce de hiérarchie, là, où est-ce qu'il y a comme les rois en haut, qui, les talents qui appellent. Oui, puis c'est lourd, un plateau de télé. Il y a beaucoup de choses à laquelle penser. Tu sais, quand oui. on regarde la télé, nous, on a... On pense pas à ça, là, mais... C'est vraiment du travail d'équipe. Oui. Et puis, donc, elle est recherchiste, donc tu as plein de responsabilités. Les gens, quand sont fâchés, c'est contre toi qu'ils sont fâchés. Puis bref, elle raconte un peu cette expérience-là, puis à un moment donné, comment elle a un peu foncé dans un mur, là, à force d'avoir cette pression de performance-là. Et puis, c'est un personnage qui arrête tout d'un coup et qui essaie de revoir ses choix de vie, mais... C'est écrit avec une intelligence émotionnelle très fine, sensible. J'ai trouvé ça vraiment quasiment un page-turner. Là. J'ai commencé à lire ça, c'est à peu près 300 pages. Je l'ai lu en quelques jours, je voulais comme plus le lâcher. Un personnage auquel c'est facile de s'identifier aussi. Puis c'est intéressant aussi à la fin. Elle nous surprend là, tout au long de son livre. Donc oui, ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé récemment. Marie-Hélène Poitras, l'épopée de Timothée, c'est chez Fonfon. Il est disponible ici au Salon du livre. Tu es aussi du côté du stand de Alto. Oui, d'ailleurs, je m'en vais faire une dédicace de 10h à 11h, juste là, devant. Si jamais vous voulez passer me voir, voilà. N'hésitez pas. Avec le plus récent, La Desiderata, mais on a tous les autres livres de Marie-Hélène Poitras aussi qui sont disponibles. On te suit dans tes projets futurs. Là. Déjà, moi, ça m'a titillé. J'ai très, très hâte de pouvoir lire tout ça. Merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui, puis bon reste de salon. Bien, merci à toi aussi, Valérie. Merci beaucoup. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.